Juillet 2012, en pleine campagne creusoise à Nau, près de la Souterraine, est inauguré le château de la Casine, un hôtel 5 étoiles, grand luxe, un restaurant gastronomique, un projet porté par des Anglais, 40 millions d'euros d'investissement avec de grandes ambitions comme on nous l'expliquait à ce moment-là. Au petit château, on agrandira pour faire un spa de 1300 m². Dans le village, on construira 140 appartements pour les familles et on fera un golf de 18 trous. 6 ans plus tard, toujours pas de spa ni d'appartement. Quant au golf, il n'est pas sorti de terre. Le château a même été placé en redressement judiciaire en novembre 2016. 2016, le domaine de Faugeras à Limoges, lui, met carrément la clé sous la porte. Cet hôtel de 15 chambres haut de gamme, ouvert en 2006, n'a jamais rencontré le succès. 2003, le domaine de Balran à Marval, en Haute-Vienne, est lancé. C'est présenté en grande pompe aux élus. Des dizaines d'emplois seraient créés. Les investisseurs des Suisses visent une clientèle ultra riche. Aujourd'hui, le site très discret fait juste chambre d'hôte. Alors comment expliquer que de tels grands projets touristiques ne fonctionnent pas en Limousin? C'est la difficulté d'accéder chez nous. Tant qu'on n'arrive pas à désenclaver ce territoire, ça m'a toujours posé problème de voir que des étrangers viennent et disent on va investir beaucoup d'argent dans cette région. Dans un premier temps, je dis toujours oui, c'est bien, mais au bout du compte, on voit que c'est toujours la même chose. Donc on peut peut-être se poser la question, pourquoi ces investissements, d'où viennent les fonds? Et la liste est encore longue. Valcastel, près de Bort-les-Orgues, un investisseur égyptien a promis 500 millions d'euros dans un complexe hôtelier énorme. Aujourd'hui, le projet est retardé. En Corrèze, l'étoile de Pompadour, lancée en 2016 par de riches Libanais, n'a toujours pas ouvert son spa. Enfin, il y a 9 jours, un groupe financier originaire de Malte a racheté Notre-Dame de la Cabane, un ancien séminaire à Cublac, en Corrèze, pour y ouvrir un hôtel 5 étoiles. Alors, le Limousin est-il une terre de conquête pour les palaces? L'Eldorado économique promis par tous ces investisseurs semble plutôt se résumer à un mirage.